Hellblade, Sennois, avertissement, ce jeu propose des représentations de la psychose. Des personnes ayant une expérience de la psychose ainsi que des professionnels en psychiatrie ont participé à leur création. Certaines personnes. D'accord, okay. Bon, j'imagine qu'il faut être psychotique pour pouvoir tout lire d'un coup. Donc il y a des professionnels de la psychiatrie qui ont travaillé sur ce jeu pour parler aux fans d'Undertale. On va voir, salut à toutes et à tous, on va tester ce Hellblade. Tellement salué par une partie de la critique, tellement défoncé, presque violé par une partie des gamers. Et bah voilà, il a tellement fait parler de lui qu'il sort enfin sur Xbox One. Je me suis dit, faut absolument que je le teste, tellement il a fait parler de lui. Est-ce qu'il va être bon ou mauvais, je ne sais pas. Est-ce que c'est encore un truc à la Gnome, à la Undertale, où il y a vraiment des gens fragiles qui vont aimer le jeu? Je sais pas, est-ce que le jeu est vraiment bon? D'après ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est de la branlette de cerveau et avec des puzzles totalement débiles au possible, aucun gameplay et une répétitivité à mourir. J'ai fini Disneyland Adventure. Niveau répétitivité, je suis blindé. Donc s'il y a des choses intéressantes dans le level design, dans les puzzles, peut-être que je vais l'aimer. Mais c'est un challenge que j'ai envie de me proposer. Et on va se lancer tout de suite, je vérifie juste le son du jeu et on va y aller. Ouais, on va baisser un peu le son du jeu et on y va. Nouvelle partie. Voilà, 37. À 37, ça me paraît bien. Ok, putain de premier chargement. Je sais même pas de quoi ça parle, hein, pour te dire. Je crois que ça. Dans le monde des Vikings. Il n'y a pas de voix. Bonjour, qui es-tu? Peu importe, bienvenue, tu ne crains rien avec moi. Je resterai tout prêt pour te parler sans alerter les autres. Ah si? Attends, y'a quelqu'un qui parle? Ok, ça parle. Peut-être l'augmenter un peu, tout petit peu le son, peut-être mettre 43. Deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? Ça a l'air chelou. Qu'est-ce qui parle? How rude of me. Ah, je peux bouger la caméra? I never told you of the others. Mentally at that falser. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think. Alors, ils sont tellement fiers de leur jeu qu'ils ont mis le générique au début du jeu, parce que pour les peu de personnes qui vont pas aller jusqu'à la fin, j'imagine. Can you see them? Le son m'a l'air bon. On va le laisser comme ça pour l'instant. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est même ce qui me semblait, c'était dans les côtés, dans les tranchées nordiques. Du coup, c'est des voix dans ma tête. Alors ça va beaucoup parler
Aux ectoplasmes. Non, c'est pas des ectoplasmes. Aux zémoplasmes. Les gothiques émo là qui ont la frange dans les yeux, qui sont trop dark ténébreux, qui prient Sasuke tous les trois soirs pour lui ressembler. Mais des émo, ouais, c'est des émo, je crois. C'est des one-liners. Qui pensent qu'ils ont des voix dans leur tête et tout, ils sont trop dark à l'école et tout. En fait, ils sont juste cons. Il s'est fait embrocher lui. Alors pour... ils ont mis un vieux filtre dégueulasse, par contre qualité VHS. Sur stream ça se verra pas, j'imagine. Parce que c'est vraiment très fin. Ça fait un petit côté grain de vieux film VHS, Silent Hill par exemple. Ouais, Silent Hill c'est une bonne. Gothique, ouais, emo gothique, ouais, merci. Alors qu'en fait c'est juste des voix qui s'imaginent avoir des voix dans leur tête juste pour être trop badass. Mais bon, du coup, là, je sais toujours pas, c'est des voix qui sont dans ma tête ou c'est des voix qui sont dans ma tête de joueur ou dans la tête de Senua ? Ah non, d'accord, il s'adresse à moi, donc moi aussi, il s'adresse au joueur. Quoi pense-t-elle ? Elle a peur, toi aussi, tu as peur. D'accord, il s'adresse au joueur. Oh, il est long le début. Bon, après, c'est pour mettre dans l'ambiance, j'imagine. On s'en fout du générique. Le générique, tu le fous à la fin. En fait, le début, il est tellement chiant qu'ils ont décidé de mettre le générique au début. Histoire de... Bon, bah voilà, on peut au moins lire quelques lettres. Te sens, t'arrêtes. Je vais me prendre une douche, quoi, sérieux. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Ouais, sympa l'ambiance de la rivière, c'est clair. Something to those afraid of death. On dirait mon caca qui défile à travers les canalisations. Après, je l'ai largué dans les caisses. L'actrice aussi, par contre, elle est cool. Elle a un visage atypique, en fait. Elle est jolie, tout en étant très loin des standards de beauté actuels. Elle a beaucoup de charme, elle est atypique. Et ça renforce énormément l'identité de l'héroïne. Et pas un truc générique, random, copy-paste, habituel. Quoi. Alors, I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Ah, puis c'est direct, regard caméra, quoi. C'est, elle regarde le joueur, ou la WoW, ou nous, joueurs. Ok, j'imagine qu'on prend le contrôle à ce moment-là. Est vraiment cool, hein. J'aime beaucoup le design. Le design est vraiment recherché de Viking un peu badass. Alors, d'après ce que j'ai compris de toute façon avec l'intro, c'est un jeu à faire absolument au casque. Parce que les voix off sont très spatialisées de gauche à droite, au milieu, autour, dans ta tête, dans tous les sens. Donc, soit vous avez un putain de home cinéma, soit jouez le jeu au casque, mais le jouez pas n'importe comment. Et je les use comment, mes eyes, écartés, ok. S. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell. Et aussi mon papa. And your fate lies there.
Elle est vraiment cool. Hein. Oh yes, la caméra qui bug. Elle est vraiment cool, hein. Putain, elle est vraiment bien modélisée. On voit les veines dans les yeux, quoi. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep. Ça va pour quelqu'un qui a peur, on dirait qu'il descend Brooklyn là. You will follow a great river and will find a bridge. Vas-y, j'allume le avec mes yeux. Non, on laser, non, c'est bon. Je peux le prendre. Non, je peux pas. From there, across the river of knives that flows from the dark world. Un obstacle, je peux le passer. Ah ça va, je peux le passer. Wow. Oh la tempête est bien faite. Et comment je cours? Je peux pas courir, je suis dans l'eau. Ça va, elle le prend plutôt bien les ténèbres. Je suis chassé comme une meute de loup. Ça va, je suis à Châtelet-les-Halles là. Il est 23h. Bah les steaks. Je peux pas courir. Oh bien, c'est le top. Oh la vache. Bon, par contre, c'est débile qu'on puisse pas accélérer. Ou alors il y a un bouton. Ah, j'ai trouvé. Ah, LB. Ah, mais du. Bah, dis-moi, il se lève vite le soleil ici. Attends, excuse-moi. Ah non, c'est ma femme qui passe l'aspirateur finalement. Je crois que c'était dans le jeu. Je lui dis, c'est pour ça qu'elle est psychotique en fait, on l'a trop forcée à faire le ménage et du coup elle entend des bruits d'aspirateur, de lave-vaisselle, de lave-linge dans la tête en, comme ça en psychotique. Elle cherche quoi? Je sais pas du tout, on sait pas. T'es arrivé au début du jeu donc on sait pas ce qu'elle fout là, on sait pas pourquoi elle est là. Il y avait juste écrit que c'était un jeu pour psychotiques réalisé par des psychiatres spécialistes dans la psychoterie. Celle de son Dion. Ah bah c'est l'Indion. Ah, je cherche mon bien-aimé, je crois. Joli, joli la montagne. Ah, et je dois sauver quelqu'un, c'est ça. Par contre, il est beau, la vache. Ils ont tout mis sur les graphismes, vu qu'il n'y a rien d'autre à côté. C'est très cool. Ah bah il s'est enlevé le grain, donc c'était vraiment pour la brume, le grain type VHS. C'est bien. C'est pas mal, c'est joli, hein. C'est pas The Clack, mais c'est joli, hein. Ça, c'est suffisant à lui-même en fait. Bon, par contre, c'est quoi cette démarche? Je peux traverser donc, tu crois? Ah, par contre, il n'y a pas d'effet avec l'eau, c'est dommage. Ah, si, il y a un petit peu d'effet avec l'eau, mais c'est pas top. Après, apprécier aussi, c'est un peu difficile, hein, tu me diras. Je vais où comme ça, en fait? Essayer nager? Ah! Il y a un mur invisible dans l'eau! Wouh! Bon, ça doit être dû à la psychiatrie en fait, elle peut pas se déplacer à plus de plus haut que ça. Il y a un mur psychiatrique qui dit non, tu peux pas avancer. Eh bien, 5 minutes de jeu, mur invisible. Salut petit Jean. Bon, j'imagine que c'est par là. T'es sur Xbox? Ouais, je suis sur Xbox.
Il est sorti là cette semaine. Par contre, bien aucun HUD, ça c'est cool. Pour forcer l'immersion, ça c'est du beau travail. C'est quoi ces trucs? Je peux leur parler? Ah. Attends, j'ai. The Northmen speak of nine worlds. SM. The world of men they call Midgard. C'est bien, les premières lettres c'est SM. Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. C'est comme dans Kingdom Country, si tu trouves toutes les lettres, t'as un stage bonus. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Je sais pas pourquoi il est en train de me raconter tous les niveaux qu'il va y avoir en spoil. And that is where you must travel. D'accord, bah c'est ça, ok. Donc on va travailler Niflheim, Nelfheim, Idelheim. Cool, zen. Elle est plus rapide. Non, je suis pas scared. Non, je suis pas scared à gauche non plus, ni à droite. En fait, les voix qu'il y a dans le jeu, ils ont dû faire jouer à des non-gamers. Et le public qui était derrière, ils ont dû enregistrer le public qui est derrière. Oh, il y a quoi en bas? Tiens, vas-y, essaie d'aller en bas. Oh là là, mais elle va avoir peur d'aller là-bas. En fait, ils ont enregistré le public qui assistait à la bêta test. The Hidden Path. The Hidden Path. Et je fais quoi avec ça? Ok, c'est une cinématique. Okay. Don't kill me. I'm not one of them. I was just hiding. I find I live longer that way. Après, tu m'étonnes que l'actrice a été récompensée pour son jeu d'acteur dans le jeu. Elle devait rien caler. Donc, jouer quelqu'un qui cale rien au scénario et jouer un personnage qui cale rien à ce qui se passe, ça fait ton sur ton, donc c'est cool. Bruce. Baby. Bruce. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. Ouais, c'est chelou comment c'est filmé. Il est sur le même plan mais il est en flou. If I may walk with you. Et regarde dans le vide mais regarde tout droit. C'est super bien. C'est vraiment bon. On peut pas nier le côté artistique du bazar. The runes. Seal the gates to hell. Focus your inner eye. And you too. Regarde par ton œil intérieur et tu verras ce qui est caché. Alors mon œil intérieur c'est RT. Focus. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Quoi? Je dois faire quoi? Mais c'est tout. Je dois faire quoi? Ah, il y avait quelque chose qui apparaissait. Attends, quand je tenais. Hein? Ah, d'accord, en fait, ça imprime ma rétine. Et je dois trouver le même symbole. Non, c'est ça, c'était ça l'idée. Le même symbole dans quoi? Il n'y a pas de même symbole. Je vais me reculer. Oh, c'est joli comment c'est fait là. Bon, ça sert à quoi d'avoir le M de Batman là? C'est complètement débile. Ah, il y en a partout maintenant. Pourquoi ici? Ah, c'est l'ombre des branches. Oh la vache. Et là, la porte est ouverte. Ok.
Ça va, premier puzzle. Fait. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? Je peux tomber? When everyone else laughed. My people paid the heavy price. Carry my stories with you. And together we will make the Northmen feel our fury. Oui, Seigneur. Another voice joins us. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. En fait, j'entends plusieurs voix. Il y a une nouvelle voix qui me rejoint. En fait, c'est, je suis Whoopi Goldberg de Ghost. Par contre, il fait toujours moche dans le jeu. Et on a eu un petit rayon de soleil, c'était agréable. Et là, c'est fini, on est en Bretagne, quoi. Stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Sa démarche de base casse toute l'immersion. Oh là là, je suis psychotique, je fais un truc merveilleux. Et après c'est Saturday Night Fever. Enfin, je vais pas chanter la musique de Saturday Night Fever. Vous avez compris l'idée, ça casse toute l'immersion. C'est pas une démarche de psychotique qui a peur d'aller dans un endroit, quoi. C'est la nana qui fait des courses pour aller acheter un nouveau sac à main aux Champs-Élysées. And with her, you must bargain. Ça va, ça se baisse tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un succès ici. Que le combat commence. Ah, parce qu'il y a des bastons. Ah, atteignez la porte pour la première fois. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Ça, vous entendez bien le son du jeu par rapport au son de la voix? Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. She must find him. Ouais, c'est nickel. Ah oui, mais si, j'ai une épée, donc il y a de la baston aussi. Ah, ok. On va voir le gameplay là-bas. Je savais pas qu'il y avait de la baston, dis donc. J'affronte quoi, des zombies? C'est magnifique de faire des univers où tu te piges rien à ce qui se passe, c'est histoire de dire tu peux même pas avoir de la pitié pour elle, tu sais pas ce qui se passe. Ah bah voilà, de la baston. Alors c'est comment, c'est en QTE? C'est en vrai baston? Oh, c'est en vrai baston. Aïe, bah attends, mais explique-moi les boutons. Oh. Ok, ah, on fait des X. X? Ouais, X, ok. Ok. Y? Y gros coup. Ok, c'est sur le système de X petit coup, Y gros coup. Oh, joli, joli. B, garde.
Oh, carrément, coup de pied à la Bruce Lee. Ok, on y va. Oh, terrible, oh, terrible, on peut même courir. Ah, oh, il est terrible. Oh, le système de combat, il est terrible. Tiens, biatch. Oh, terrible, il a le coup spécial du 3 de Achille. Aïe, on la baffe, on la bitch là. Je fais comment là? Ok, quand je fais deux fois, elle fait un zigoudou. Je fais comment? Ils sont noirs, mon arme, elle traverse. Ah non, je l'ai touché. Ah, c'est fait exprès. Vas-y, je commençais à m'amuser. Mais tout le jeu devrait être comme ça. Tu meurs ? Ou je suis morte, le dos. Ah, et en fait, j'ai ressuscité. A vision of what's to come. Bruce Anoa. Salut, Spacebar. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. C'est pas comme ça qu'on ouvre une porte. Peut-être lui expliquer. The dark world will grow each time you fail. Si la pourriture atteint la tête de Sinoa, la quête est terminée. Ah ok, d'accord, donc je dois pas mourir plusieurs fois. Et on se soigne comment? Et tout progrès est perdu. Quoi? Si je meurs plusieurs plein de fois, ta gueule. Non. Je refuse de croire à ça. The hardest battles are fought in the mind. Surtout que moi je veux bien pas mourir, mais quand c'est le script qui décide que t'es obligé de mourir, tu fais comment? With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt. Putain, mais c'est comme un. Valravn. Spill their blood. Ok, j'ai deux niveaux à faire avant d'aller dans Elide. Okay. Enter the land of the dead. Putain, ils ont fait un hub à la Mario 64. C'est dans le genre que. Bonjour, je casse l'immersion. It won't open. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without. C'est une cinématique détournée pour charger. Pour faire un chargement. Ah, du soleil. Ah bah c'est cool par ici. Ouais, enfin c'est du soleil mais ça reste très couvert. Ok. Un peu Tomb Raider du coup. T'es au début là? Ouais, c'est vraiment le tout début. Hein. Je dois quoi, 20 minutes de jeu? Même pas.
Découverte totale. Je sais même pas à quoi m'attendre comme genre de jeu. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai rien vu dessus. Ymir was a frost giant, a being of darkness. Ah. Ymir was a frost giant. Il y a des lettres que j'ai ratées. Il y a une lettre que j'ai ratée. Being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, blurry in shape. Merde, je crois que je l'ai abandonné en fait, la voix elle est restée là-bas. Bah voilà, comment on se débarrasse des voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Un attrape-rêve? Il y a des coffres à ouvrir, des nouvelles armes, il y a... Il y a des cul-de-sac en tout cas. Attends, il y avait une porte là, deux secondes. Illusion hides the path. Illusion casse le chemin de Valvara. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Find another way to see the truth. Ok. Bon bah par là il y a qu'un seul chemin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je dois trouver le symbole. Un carré. Qu'est-ce que je trouve un carré là-dedans? T'as vu le bordel? Je peux faire descendre le pont. Et pourquoi j'ai des voix de femme dans ma tête? C'est vrai, c'est juste pour... Ouais, c'est des nanas. C'est des nanas. Merde, comment il faut faire? Eh ben, pousse la porte, ça va s'ouvrir. Vas-y, pousse, pousse. Ouais, on a réussi. On est des femmes trop intelligentes. Oh! 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 Bon, bah on y va. Comment ça, pourquoi je le vois pas? Bien sûr que je le vois. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never real. En fait, le dernier boss de ce jeu, c'est de faire un créneau avec une bagnole. En fait, il y a tellement de voix qui courent, qui gueulent dans tous les sens que les synapses pètent et pff, ça repeint le pare-brise. En fait, c'est God of War mais version femme. C'est moi qui pleure ou c'est la porte qui couine? Les portes doivent faire 480 kg mais elle les pousse. Y'a zéro item à ramasser? Bah ouais, apparemment pour l'instant. Par les pylônes. Ah, attention, une arène, ça sent le combat. Mais je suis pas déjà venu dans cette pièce. C'est pas la porte de là où je dois aller? Oh, m'a fait peur. C'est quoi cet effet à deux balles là? Ok, de la tombe. On y va. Tiens, bouffe ça. Ça c'est cool. Ah, ils sont violents les combats, par contre, c'est vraiment cool. Ah, même des coups de poing. Oh là là, le punch. Les mouvements sont magnifiques, les mouvements des combats. Ah, il y a des finish moves. Est-ce que je peux charger mon coup, tiens? Aïe! Ok, il y a des combos différents. Oh, oh, comment je t'ai esquivé. Wouhou! Oh, ce coup de pied! C'est tout! Les mouvements de combat sont magnifiques!
Tu vois, elle est vraiment cool, quoi. Elle a vraiment un look très très cool. Bon. Du coup, c'est bon, j'ai rallumé la lumière. Je peux ouvrir la porte. Merde. Ah, je crois que j'arrive au boss. Le boss du piment rouge. Je dois trouver ça. Ah bah c'est pas le piment rouge qui est juste au-dessus là. Comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, truth. C'est pas ça? Ah, attends. Faut reformer la ligne, c'est ça? En ligne, non? Attends, si je me recule. Attends, ça ressemble à quoi déjà? Ouais, ça va être ça. J'ai joué à Rime, moi, monsieur. Merde, je fais comment, du coup? Ils sont mal alignés. Comment je les désaligne? Comment je les réaligne? Ou alors je les... Attends, je crois que c'est juste par là, en fait. Je me suis juste mal aligné. Non? Je sens bien le truc où il faut s'aligner ou quoi. Pour briser le sceau, aligne les corbeaux avec la marque Valvarn. Quel corbeau? Ah, ça peut-être. Et je fais comment? Je peux le toucher? Ah, wow, c'est joli ça. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Il était pas censé aller là. On a oublié de mettre des polygones. Non, c'est pas là. Ah, faut que j'aille là-haut. Comment je fais pour aller là-haut? Eh, mais bonjour, monsieur. T'es un monsieur, toi? Comment je fais pour aller là-haut? Il y a un escalier? Là, il y a une porte. Comment je fais pour y aller? Rhyme form Drust? Bah, le rhyme où t'es sur l'île, là, c'est hyper poétique. Ok, je crois que je suis allé trop loin. Ça m'étonnerait qu'il faut revenir plus en arrière. Non, j'ai dû rater un truc. Allez, jambon. Ce script à deux balles, à dégueulasse. Ah, ce script mal réglé qui est pas prévu pour ça. Ah merde. Ah, mais c'est presque aligné là, non? Comment je fais pour aller là-haut, moi? Faut que j'aille là-haut. Parce qu'à mon avis, c'est de là-haut. Mais comment j'y vais? Ah, il y a une entrée là. C'est bon, j'ai trouvé, les gars. Bonjour. Ah, mais c'est un épouvantail. An impostor world.
On dirait vraiment la nana qui est perdue dans la forêt, qui s'invente une histoire hollywoodienne de fou. En fait, c'est juste que bah elle marche dans la forêt. Hein. C'est pas la forêt qui t'observe, c'est juste que une forêt, forcément, ça se ressemble à gauche et à droite, vu que c'est juste des arbres qui peuvent prendre d'hommes. Donc, pas de quoi en faire. Pas de quoi dresser la queue de Mickey, quoi. C'est une forêt. Faut faire quoi? Faut retrouver le chemin? Ok. Tu pourrais au moins avoir choisi un. Ah, c'est par là. Tu pourrais au moins avoir choisi un autre symbole histoire de varier un peu. Bon, ça fait 30 minutes de jeu, ça fait 4 fois le même puzzle. C'est magnifique. Oui, je sais, Line of the Raven. Merci, on a eu le dialogue tout à l'heure. Pourquoi ça a zoomé là? Pourquoi la caméra elle a zoomé? If you hear the song of Valravan, comment je fais pour monter là? And it will lead you to him, but be aware of his illusions. You can't. Mais fermez-la, j'entends pas la chanson. Qu'est-ce que t'as entendu? T'as rien entendu du tout. Mais y a rien. Sous de ma gueule. Ça a bien zoomé par là, non? Bravo. Mais où ça, la Valravan Song? C'est moi ou l'arbre, il a des yeux, là? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, la forêt, elle m'observe pour de vrai, en fait! Oh, c'est dégueulasse! C'est creepy! Bon, où est-ce qu'ils sont, les autres? Parce que je sais pas où il est, le son. Ah là j'entends quelque chose. Bah c'est le rocher qui lâche des proutes quoi. Oh les murs qui ont des yeux aussi. Ça se trouve il faut que je me dépêche sinon je meurs étouffé par je sais pas quoi. Bon attends, c'était par où? Comment je fais pour aller là-haut pour que j'aille là-haut moi? Comment je fais pour aller là-haut? Faut que j'aille sur cette plateforme. Je peux pas monter là? Non. Putain. Je fais comment? Ah là. Ah là-bas, 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 là-bas. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, ça fait peur. C'est toi qui fais du bruit comme ça? Je suis paumé. Là il y a des escaliers. Là-bas il y a une. Je peux passer là? Je peux passer, ok. Ça gaz. Ah ça doit être par là. Ah, ça s'ouvre pas. Attention derrière toi, c'est affreux. Merde, mais c'est là où je dois aller, je fais comment? Ok, je suis là. Ok, ça me file. Là, c'est vraiment plus fort. Ça me guide dans le mur, c'est magnifique. Le son vient du mur, qu'est-ce que je fasse? C'est juste le mec qui a besoin d'un lysopaïne quoi. Ah c'est ça! Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Je suis censé faire quoi avec ça? C'était pas allumé ça? Ah oui, je m'attendais pas à ce genre de jeu, tu me diras. Tu es où là? Ah, il y a une autre porte ici. C'est toi qui le gargarise là? Ah mais si, il y a un monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah ça, ah non, c'est bien des vrais mecs, mais quand ils font kagebushi no jutsu, ils disparaissent en mode épouvantail. À la place de mettre une bûche, c'est des épouvantails. Je peux rien faire? Yeah. Il m'a dit que par là. Écoute. Yeah. Attends. Oh, je suis paumé. Allez là. Ah là, il y a un pont. Attends, je te lâche pas des yeux. Ah, oh, j'en étais sûr, c'était trop gros comme une maison. Merde, vous voyez pas le... Fallait me le dire que vous voyez pas, les gars, le... Comment on appelle ça? Les... Je vais y arriver, hein. Laissez-moi dans mon jeu. Hein. Les trucs là qui s'affichent en bas, les sous-titres, ça s'appelle les sous-titres. Normalement, ça sera bon pour les sous-titres. Oh là. Ah bah ça y est, je vais pouvoir le... C'est quoi? Ah ok, ça a réparé. En fait, c'est des portes temporelles, ça répare les trucs. Elle peut se lever maintenant? Non, she get up, ça se traduit pas, elle peut se lever. Ah si, she get up, non? Je vais te faire tout le tour, t'es sérieux là? It's magic, it's an illusion. Ah bah ça tombe bien, il y a une porte. Ah mon pied! Non mais ça va pas là. Bon maintenant il y a des escaliers, je peux y aller en... Ouais, c'est bon. Voilà. Eh B. J'en aurais un peu plus chié pour celui-là. C'est rigide, mais un truc de dingue. Ça aurait pu être pouvoir être rigide comme ça, les jeux. That simple.
Putain, mais c'est pire que Resident Evil, t'ouvres des portes toutes les 30 mètres. Ah, il peut pas s'ouvrir facilement. Deep primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. C'est quoi ces ténèbres au sol là? Ah, baston! Stombe! Raché! Raché! N'importe quoi! Raté! Pourquoi je dis raché? Arraché! Oh, dans les dents! Et comme par hasard, on tape que des mecs hein, par contre, hein. Y a pas de guerrier nana qu'on affronte, hein. Non, non! On est une nana, faut qu'on affronte des mecs! En fait, je peux faire un combo XY en même temps ou pas? Oh putain, deux d'un coup! Eh oh, calmez-vous les gars! Oui! Aïe! Attends. En fait, j'ai une garde ou pas? Oh putain, j'ai une garde! Wouhou! J'ai un combo! Oh oui! Oh wow, 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 c'est magnifique, je vais le refaire, je vais le refaire. Vas-y, frappe-moi. Ah oui, non, mais par contre, pas sur les gros coups, sur les petits coups. Ah, bah, ah d'accord, faut le faire hyper bien, quoi, laisse tomber. D'accord. Ouh. Oh, c'était juste. Oh putain, ok, on a une garde avec un contre. Ils sont chauds les combats quand même hein. Je dois aller où? Ah peut-être par là. Eh deux d'un coup c'était chaud hein. Alors j'imagine après s'il y a 3 ennemis, 4 ennemis c'est pire que For Honor en fait. Ils sont beaucoup inspirés de For Honor. Un bouton d'ascenseur. Ah c'est encore un mec qui raconte des trucs. Ymir, and that the world of man was formed from his corpse. Stone and his flesh into a salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brother. C'est con que la voix. T'es obligé de rester à côté de la voix, t'sais. C'est une voix off. C'est con de que ça te suive pas. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wild. Never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home ah non, je crois qu'il y a une land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize. Ah, il y a une porte. On peut y aller là? Putain, mais genre. Oh, putain. Ça, c'est chiant. C'est une rigidité avec des murs invisibles et des obstacles bloquants qui devraient plus exister en 2018. Ah, c'est la forêt des piments, il y en a partout. Bon, j'imagine que c'est la porte du boss. Quoi, faut encore aligner des trucs? C'est ça la psychiatrie des gens en fait, c'est ils aiment pas aligner des trucs. Qui joue au Sudoku, qui joue à Tetris quoi, ils verront, ils prendront l'habitude d'aligner des trucs. Bon, faut que j'aille à la porte là-bas, c'est ça l'idée. D'accord, et je peux me concentrer, j'ai l'oreille musicale pour suivre un mec qui passe son temps à rôter. Ouais, ah ouais, va falloir aligner des choses tout le jeu, ouais c'est clair, c'est...
et passer dans des trucs. Je traverse comment là-bas? Là, il y a un pont, d'accord, mais c'est une belle jambe, mais on peut pas sauter là-bas. Attends, le pont alors, du coup. Ah non, pas le pont, le pont non. Mais là, si je descends, je pourrais pas remonter. De toute façon, je peux pas descendre. C'est réglé. Ah, ok. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Open it. Hey, Papa. Not from this. Oh le bordel, on peut aller là aussi. On peut aller là-haut. C'est un peu plus ouvert là. Pourquoi je peux aller là-haut? Il y a quoi là-haut? Ah, je peux peut-être en aligner. Hein, ouais, là, il n'y a rien que je peux aligner. Il n'y a rien à aligner là. Ah, par contre, là, je peux tomber, d'accord. C'est hyper mal fait comment c'est tombé, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et par là, il y a quoi? Ah bon? Oh, c'est encore un mec qui raconte des trucs. N'empêche, t'as vu, il y a que des voix de nana qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Comment elle ouvre la porte? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il... Oh là là, on est bloqué !» Par contre, les vraies histoires profondes et intelligentes sont racontées par des mecs. Enfin, moi, c'est le jeu. Pourquoi je peux ouvrir cette porte alors qu'il y a le mur qui est cassé à côté? Est-ce qu'il y a un sens? Alors apparemment il y avait un truc sur la droite aussi, parce qu'ici il n'y a rien. En fait ce jeu est réaliste, ah, c'est ça. On va aller tout à droite, on va aller voir ce qui se passe. Parce qu'apparemment il y a deux endroits où il fallait aller. Mais non, je suis pas lost. Un homme n'est jamais perdu. Il teste de nouveaux itinéraires. C'est tout. Ça me fait de belles jambes, ça sert à quoi que je vienne ici? Ah. Non. Quitte à faire un level design, faites un level design intéressant. Je vais là-bas, mais je peux pas y aller. Elle s'est pas sautée, j'imagine. Bah non, elle s'est pas sautée non plus. Par là, je peux pas. Par là, je peux pas. Par là. C'est un pont. Et évidemment, il est dans le mauvais sens. Parce que tu vois là, elle peut pas monter, hein. Non, non, non. Les mecs du level design, quitte à faire des choses improbables et vous dire non, mais on va pas pouvoir. Faites le mur un peu plus haut et là, ok, je me dis bon, bah elle peut pas monter. Là, c'est ridicule. Ok. Est-ce qu'il faut pas que je repasse par la porte là-bas? Mais je vois pas pourquoi je devrais repasser par la porte là-bas. Elle a fait quoi d'ailleurs cette porte? Je m'en rappelle même. Ah, elle a ouvert le pont. Ah oui, non, elle a ouvert la porte ici. Mais est-ce qu'elle ouvre? Elle baisse le pont là-bas du coup.
Ah non, mais j'en viens de là-bas, je crois. Alors, je suis où? Ah, j'ai pas le droit d'y aller, de toute façon. Mais je dois revenir de là-bas. Non, c'est bien là-bas que je dois aller. Alors... Ah, mais il faut que je refasse le... Maintenant que j'ai ouvert la porte, je vais pouvoir refaire le mur pour passer en haut. Que je ne sais toujours pas à quoi ça va me servir, mais... On va le savoir tôt ou tard. Ah, il y a une autre porte là-haut. Ok, ok, ok. Il y a de l'idée dans le level design. En fait, tu fais du tricot. Par où je peux monter après? Enfin, c'était là? Non, c'était pas là. Putain. Ah oui, c'était là. C'est pas le jeu GOTY de HB? Ah ouais, c'est son jeu préféré de 2017. 2018, pardon. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Mais attends, je peux pas le... Ouais, non. Pourquoi il y en a moins? Bah écoute, hein, le jeu il veut nous forcer à monter dedans, mais à quoi ça sert? C'est quoi qui change? À part qu'il y a moins de bignouilles. Ok, il y a la moitié qui a disparu. Okay. D'accord, mais moi ça me fait une belle jambe, genre. Out in the wild, in cold winter woods, she no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Et là, le pont est baissé. Non, non, c'était l'autre. Merde, ouais, mais j'y vais comment là-bas? She remembered her promise. She resolved to fight on. J'y vais comment là? Ça a juste baissé la moitié, ça a juste enlevé la moitié des corbeaux, mais moi, ça me fait une belle jambe. Là. Parce qu'évidemment, là, c'est beaucoup trop compliqué, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui me sort totalement de l'univers et qui est tellement con. Non, mais... Tu vas pas me dire que le level designer s'est dit, on va mettre un peu plus de rochers, peut-être que... Putain, mais je passe par où? Ah, il y a une poutre là. Attends, comment on y va? Ah, elle n'existait pas cette poutre tout à l'heure. Ok. C'est une belle balade dans les ruines. Ouais, c'est clair, les ruines sont jolies, c'est dommage qu'il pleut. Ils ont mis quelques trucs esthétiques pour faire un peu artistique. Oula, il s'est passé quoi là? Il y a du corbeau qui s'est fait bouffer. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir les aligner.